Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice. À pas de loup, le ciel se ferme. Lentement, comme une grande alcôve, et l'homme, impatient, se change en bête fauve. Dans une forêt terrifiante et sombre, où se retrouvent les artistes en manque d'inspiration, Berlioz, toujours grincheux, est à la recherche des champignons magiques. Pousse, 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 pas un seul champignon. Et pas un seul poète. Baudelaire, toujours timide, cherche les champignons depuis des siècles. Pousse, 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 et pas un seul champignon. Et pas un seul musicien. Oh ! Un chat noir. Et que fait-il ici ? Peut-être que lui aussi a des pouvoirs d'inspiration. Tiens, Spleen, que fais-tu ici ? Ah, te voilà, Faust. Et paf ! Berlioz et Baudelaire se rentrent dedans. La rencontre entre Berlioz et Baudelaire fut un choc, à tel point qu'ils perdirent tous les deux leur identité. Qui suis-je ? Qui es-tu ? Michael Jackson ? Basil Boli ? Zidane ? Marie-Antoinette ? Vercingétorix ? Gilbert. Que m'arrive-t-il ? Je suis cascadeur ? Que m'arrive-t-il ? Je suis danseuse ? Je suis invisible. Je suis un tennisman. Je suis un poisson rouge. Tais-toi, chat moqueur. Et Berlioz devint Baudelaire, et Baudelaire devint Berlioz. Je suis Baudelaire. Je suis Berlioz. Et moi, je suis la sorcière. Je me suis bien amusée et maintenant, je vais vous aider à retrouver votre bonne identité grâce à ma soupe. Quelques voyelles et consonnes, deux ou trois rimes, 4 à 5 notes, 12 pieds, une langue de dragon, 16 pattes de mouche, une écaille de poisson volant, 3 cuillerées de reflets de lune, et comme vous m'avez bien divertie, j'y ajoute quelques champignons d'inspiration. Quelle aventure, cette forêt! Je pense à une idée de symphonie. Fantastique? Bonne idée, je l'appellerai la symphonie fantastique. La prochaine fois, j'irai cueillir des fleurs. Fini les champignons. Des fleurs du mal?